Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Frères et sœurs, nous sommes le vendredi 17 novembre de la 32e semaine du temps ordinaire et nous faisons mémoire de Sainte Élisabeth de Hongrie. Bonne fête onomastique à toutes celles qui portent le prénom de Élisabeth. L'Esprit de Dieu repose sur moi. L'Esprit de Dieu m'a consacré. L'Esprit de Dieu m'a envoyé proclamer la paix, la joie. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Comme cela s'est passé dans les jours de Noé, ainsi en sera-t-il dans les jours du Fils de l'homme. On mangeait, on buvait, on prenait femme, on prenait mari, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche et où survint le déluge qui les fit tous périr. Il en était de même dans les jours de Lot. On mangeait, on buvait, on achetait, on vendait, on plantait, on bâtissait. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, du ciel tomba une pluie de feu et de soufre qui les fit tous périr. Cela se passera de la même manière le jour où le Fils de l'homme se révélera. En ce jour-là, celui qui sera sur la terrasse et aura ses affaires dans sa maison, qu'il ne descende pas pour les emporter, et de même celui qui sera dans son champ, qu'il ne retourne pas en arrière. Rappelez-vous la femme de Lot qui cherchera à conserver sa vie la perdra, et qui la perdra la sauvegardera. Je vous le dis, cette nuit-là, deux personnes en seront dans le même lit, l'une sera prise, l'autre laissée. Deux femmes seront ensemble en train de moudre du grain, l'une sera prise, l'autre laissée. Prenant alors la parole, les disciples lui demandèrent, « Où donc, Seigneur ?» Il leur répondit, « Là où sera le corps, là aussi se rassembleront les vautours. » Acclamons la parole de Dieu. L'Évangile de ce jour nous apprend combien est imprévisible le jour du Seigneur. Nous serons plongés dans nos affaires de chaque jour quand l'appel de Dieu retentira pour nous. Ce sera un jugement imprévisible et discriminatoire. Deux personnes seront dans le même lit, l'une sera prise et l'autre laissée. Ferons-nous partie, chers frères et sœurs, de ceux qui seront enlevés pour le ciel? Cela dépend de nos choix d'aujourd'hui. Cela dépend de ce à quoi nous sommes attachés aujourd'hui. Ô Seigneur, que les occupations et les préoccupations de chaque jour, que la recherche du matériel et du bonheur sur cette terre ne m'éloignent pas de ta loi, afin que, quand tu viendras me chercher, que je sois prêt à aller avec toi. Recevez, frères et sœurs, la bénédiction du Seigneur pour cette journée, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.